Sakara, bonjour. Bonjour. Vous êtes un activiste des droits humains, militant de la lutte. C'est matin, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous comptons aller déposer les dons que tout le monde a donné en dépendant de sa volonté. Ça fait une semaine, on était en train de passer dans les rues de Goma. On était en train de passer dans les différents marchés de Goma. Kitoukou, Birere, Alanine. On était en train de dire tout le monde doit soutenir les FRDC. Tout le monde a donné ce qu'il pouvait avoir. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons partir au front pour dire à nos FRDC, nous sommes fiers de vous. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons partir au front pour dire à nos FRDC, nous sommes fiers de ce que vous êtes en train de faire. Nous, nous sommes le mouvement citoyen, nous sommes le groupe de pression, nous sommes la société civile. Parce que nous sommes tout simplement convaincus qu'aucune armée au monde ne peut nous amener la paix sans les FRDC. Et c'est pourquoi nous, en tant que les dignes fils, nous pensons que nous allons les accompagner jusqu'à ce qu'on apporte la victoire. Qu'est-ce que vous avez pu récolter concrètement et c'est quoi la quantité? On va les amener de l'eau, on va les amener du café, on va les amener du biscuit, on va les amener plusieurs choses. La liste, elle est exhaustive. Parce que tout le monde vraiment s'est donné tout ce qu'ils pouvaient avoir. Y compris même des pasteurs, y compris même des chefs des mosquées, y compris même ce qu'on appelle à Goma de Kuluna. Tout le monde s'est mobilisé comme un seul homme. Parce que nous tous, on a besoin de victoire. Pensez-vous que c'est une manière pour les mouvements citoyens de soutenir son armée? Nous croyons que soutenir l'armée n'est pas seulement de donner des dons, mais soutenir l'armée aussi, c'est de donner ce que nous pouvons avoir. Soutenir l'armée aussi, c'est de dénoncer là où il y a l'ennemi. Soutenir l'armée, c'est de donner tout ce qui peut être à votre possibilité. C'est pourquoi nous, en tant que les citoyens conscients, aujourd'hui n'est que le début du commencement. Nous continuerons à dénoncer tout ce qui ne va pas à la volonté des citoyens congolais. Et comment vous vous organisez pour y aller? Ça se passe comment? Décris-nous un peu la situation ou l'événement. On a récolté des biens et d'ici là, après juste 5 minutes, nous allons partir ensemble à la région, les présenter ce que nous avons récolté. Pour qu'on ne puisse pas nous identifier aux bandits, nous allons demander leur escorte. Parce que le climat actuel n'est pas tout à fait bon. C'est pourquoi nous allons les demander leur escorte et ensemble nous allons partir au front pour leur dire on est de cœur avec vous, pour leur dire bendez les couilles. C'est pourquoi ensemble on continue d'attendre les quelques camarades qui sont encore d'adhérer pour arriver ici et faire arriver ce qu'on a récolté. Est-ce que vous avez eu l'autorisation des autorités militaires? Parce qu'on parle des forts là, c'est pas pour les civils. Il faut être un diable pour refuser à la population de soutenir son armée. Soutenir son armée n'a jamais été une infraction. Et nous, nous croyons que tout le monde a ce devoir de soutenir son armée. Et d'ailleurs, le président lui-même a appelé à la mobilisation générale. La mobilisation générale n'est pas seulement le fait de prier, mais la mobilisation générale, c'est tout le monde de donner ce qu'il pense que c'est bon. Et nous avons déjà l'autorisation de ce cas, si je crois bien,
qui correspond avec la collaboration civilo-militaire. Nous avons leur autorisation, ils sont même ici. C'est eux qui vont nous accompagner pour déposer tout ce qu'on a reçu. Alors, Monsieur Sankara, l'actualité l'oblige. On a vu des avions de chasse à Goma. On a suivi ce qui s'est passé dans les Rutshuru. Comment vous analysez la situation, vous, en tant qu'activiste des droits humains? Les M23, les ADF, on les qualifie comme des terroristes. Et le principe du droit international est clair. On négocie pas avec les terroristes. On peut négocier avec tout le monde, pas avec les terroristes. C'est pourquoi on continue d'encourager l'acte patriotique qu'en train d'éprouver nos forces de l'ordre sur les champs de bataille. Parce que c'est assez. On a trop négocié avec les rebelles. On a trop fait les mixages au nom de la paix. Mais tout cela ne nous a pas servi. C'est pourquoi nous décidons d'en finir une fois pour toutes. L'arrivée des Su-25, ça vous dit quoi en tant que Congolais? Pardon? L'arrivée de ces avions de chasse, ça vous dit quoi en tant que Congolais? Normalement, on ne mérite pas des acclamations quand on vient de faire ce qu'on devait faire. C'est leur droit de protéger l'intégrité territoriale. Oui. Et nous, en tant que les citoyens, nous croyons que c'est normal de protéger l'intégrité territoriale. Parce que leur tenue, les armes qu'ils sont en train d'acheter, c'est nous, les citoyens, qui achetons ça. C'est à la caisse du contribuable congolais que nous faisons ça. Et c'est pourquoi nous croyons qu'on les acclame seulement, on les encourage, parce que c'est leur devoir. Ils ont juré de protéger l'intégrité territoriale. Et nous, en tant que les citoyens, et nous, en tant que les peuples, nous allons les accompagner. Parce que le Congo nous appartient tous. Le Congo n'est pas seulement aux forces de l'ordre. Le Congolais, le Congo est à tout le monde. En dépit de l'arrivée de ces avions, il y a les M23 qui ne résistent pas, hein, qui tiennent aussi, qui menacent d'arriver à Goma. Vous, en tant que Congolais qui vit à Goma, ça vous dit quoi et comment vous analysez la situation? En Swahili, on a toujours dit que intimidation à ninja ni machite. C'est pour dire que ce ne sont que des intimidations du M23. Ils sont incapables d'arriver dans la ville. Ils n'arriveront jamais. C'est le fait Mamadou qui a dit que les M23 doivent oublier la ville de Goma comme un enfant oublie le sein de sa mère. Et nous, on continue de croire que les M23 doivent oublier la ville de Goma. Ils n'arriveront pas ici. Parce que nous faisons confiance en notre armée. Nous faisons confiance en nous tous. Parce que nous allons leur barrer la route. Et aucune personne, aucune nation n'est capable de faire face à un peuple qui est déterminé. Comme l'a dit Thomas Sankara. Des patrouilles conjointes FARDC, MONUSCO, PNC, annoncées à Goma et qui ont d'ailleurs débuté depuis le dimanche dernier. Ça vous dit quoi? De notre part, la MONUSCO, elle est déjà expirée pour être consommée par les peuples congolais. On ne fait plus la cohabitation avec la MONUSCO. Vous êtes témoin. Tout le monde est en train de jeter des pierres à la MONUSCO. Pour dire que nous ne sommes plus d'accord de continuer de cohabiter avec vous. Nous, on n'est plus d'accord avec la MONUSCO. Pendant 22 ans, la MONUSCO était chez nous. Quel résultat? Depuis que la MONUSCO était arrivée, il y a plusieurs groupes armés qui continuent de se multiplier à leur présence. Leur mission, c'est de stabiliser le Congo. Mais juste là, zéro résultat. À quoi sert de continuer de prendre les médicaments qui ne vous guérissent pas? C'est la folie. La MONUSCO, c'est un médicament qui ne guérit plus nos maladies, nous les Congolais. À quoi sert de continuer de les prendre? Et c'est pourquoi on dit que la MONUSCO doit partir. Quelle que soit la beauté du cadavre, on finit toujours par l'enterrer. Peu importe leur volonté de vouloir cohabiter avec nous, de vouloir nous sécuriser. C'est un cadavre, nous allons l'enterrer toujours. Non, en dépit de cela, la MONUSCO reste partenaire du gouvernement congolais. Est-ce que pensez-vous qu'à l'ère où on est en guerre, on a besoin de tous les efforts de tout un chacun? Est-ce que pensez-vous que c'est opportun aujourd'hui qu'on s'attaque à la MONUSCO?
L'article 5 de la Constitution est clair. La souveraineté nationale appartient au peuple congolais. La souveraineté nationale appartient à nous les citoyens. La souveraineté nationale appartient à nous les peuples. Et non à Félix Tshisekedi. Et non au gouvernement congolais. C'est nous qui devons décider de l'avenir de ce pays. Ce qui veut dire que ce que nous décidons, et c'est ça l'avenir de ce pays. Peu importe ce qu'ils vont décider avec la MONUSCO. Nous, on a déjà dit, la MONUSCO doit partir sans délai. C'est nous les souverains premiers. Gandhi a été clair. Ce que tu fais pour moi, sans moi, tu le fais contre moi. Les accords qu'on continuera à signer sans notre volonté, nous les citoyens, ça sera une provocation. Les accords qu'on continuera à faire sans notre volonté, nous allons leur barrer la route. C'est pourquoi aujourd'hui, nous les rappelons aujourd'hui, on ne veut plus de l'EAC, on ne veut plus encore de la MONUSCO. Les FARDC ou rien. On doit seulement les donner les moyens logistiques. On doit seulement entretenir nos FARDC et ensemble bender les Koyate. Pour finir, les députés ou alors l'Assemblée nationale a voté non pour l'intégration de tout mouvement rebelle au sein des FARDC et la PNC. Vous qui vivez cette guerre au Nord Kivu, comment vous avez appris cela? C'est l'acte que nous encourageons tous. Parce que on a compris que... Moi, je ne vais plus dire les M23. Ça me fait du bien quand je parle du Rwanda. Même si on donne à Paul Kagame du ciel, il continuera toujours à agresser les Congolais. C'est pourquoi c'est assez. On continue d'encourager l'acte de nos députés nationaux de refuser toute intégration, chaque message qu'ils peuvent faire. Parce que Albert Einstein a dit... Faire la même chose et attendre les résultats contraires, c'est la folie. On a déjà fait Amanileo, on a déjà fait mixage, on a déjà fait mixage, on a déjà fait brassage avec ces mêmes aventuriers. Qu'est-ce qui s'accouche? Ce n'est que des souris. Qu'est-ce qui s'accouche? Ça nous avantage à rien, nous les peuples. Et c'est pourquoi on est en train de dire Toboy, négociation, yon son abat, aventurier, il y a 1-23. Biso Tolingi Bitumba. Biso Tolingi Kobundana Paul Kagame. Parce qu'on veut en finir une fois pour toutes. Je suis né de la guerre, je suis grandi dans la guerre. C'est impossible que nos enfants aussi vivent les mêmes situations. C'est pourquoi on est en train de dire Ekoya Ea. Mais quand même, on est convaincu que la victoire, elle est à nous. Mais les M23, ce sont nos frères. Certains disent qu'il s'agit d'un mouvement rebelle congolais constitué par les Congolais. Pourquoi, quand vous réagissez, vous semblez coller ça au Rwanda? Si les M23 étaient nos frères, ils ne seraient pas en train de tuer leur petit frère à Bunagana. Ils ne seraient pas en train de violer leur petit frère à Rutshuru, à Runyonyi, partout où ils passent. Ça, ce ne sont pas des frères. Nous avons des mille et une preuves. Les mêmes éléments qu'on est en train d'attraper. Ils ont quelle tenue? Il y en a même des cartes et des éléments de RPDF. Et avec ça, vous voulez nous dire que ce sont des frères? Ce ne sont que des petits aventuriers qu'on est en train de télécommander. Télécommander par qui? C'est clair. Par Paul Kagame, par l'Ouganda. Quand le fils de Moussa venait en train de déclarer haut et fort que je soutiens les M23 parce que ce sont les frères. Quoi de plus banal de continuer encore de contester ça? Quoi de plus banal de continuer de refuser que les M23 c'est l'agression rwandaise? Quoi de plus banal? Alors, dernière question. L'appel du président Tshisekedi semble avoir eu écho. On a vu à Goma des mobilisations, des jeunes se sont mobilisés pour rejoindre l'armée congolaise. Quand vous voyez cela, ça vous dit quoi? On continue d'encourager tout le monde qui est en train de s'enrôler dans l'armée. Mais ce sont les jeunes espoirs qui sont en train de s'enrôler dans l'armée. Il ne faut pas quand même les décourager. Pourquoi ne pas les décourager? Il faut nettoyer dans notre armée. Il y a beaucoup de nos militaires qui sont encore dans l'affairisme. Il y a encore beaucoup de nos militaires qui sont en train de trahir le pays. Et ce sont les choses qui sont en train de décourager ces jeunes gens qui sont en train de s'enrôler tous les jours dans l'armée. C'est bien de s'enrôler. On continue même de les mobiliser. Mais on doit voir qui sont ces militaires qui sont en train de coopérer avec l'ennemi. On doit voir qui sont ces militaires qui sont en train de faire l'affairisme. Parce que
Sembouza Mabe qui avait dit, quand l'armée est incapable d'arrêter les ennemis, donc les mêmes ennemis encore de l'armée. Ça veut dire, si on continue, la sécurité continue de nous déranger, c'est parce que l'ennemi est encore dans notre armée. Et c'est là qu'on doit commencer. Terminer l'ennemi. Et pour y arriver, il faut quoi? C'est la volonté de nous tous. Ouais. C'est la volonté de nous tous. Les citoyens, tu sais qui dit, c'est lui le commandant des forces de l'ordre. Non, pas le chef de l'État, s'il vous plaît. Il est citoyen, à part l'être le commandant. Il est commandant suprême, il est citoyen. Je te rappelle que les commandants. Tout le monde, il est libre de lui appeler comme il fait. Moi, ça me va bien de lui appeler, mais c'est Tshisekedi, de lui appeler citoyen Tshisekedi. Président Tshisekedi. Citoyen n'est pas un ingénieur. C'est un citoyen avant d'être si président. Le chef de l'État. Bon, selon vous. On ne réclame pas la paternité, on le mérite. Il a été élu. En Swahili, on a toujours dit Banaitaka Baba Moyan le Rouyaka dans le sac, il y a ration. Quand tu n'amènes pas votre sac. Ça signifie quoi? Qui est père quand tu amènes les rations tous les jours à la maison? Et quand tu n'amènes rien à la maison, tu veux qu'on t'appelle papa? La réponse est simple. Alors, moi, quand je l'appelle citoyen Tshisekedi, c'est à connaissance des causes. C'est ma liberté. D'accord. Laissez-moi de lui appeler citoyen. Quand même, citoyen n'est pas un ingénieur. Vous allez regarder ma caméra et lancer un message à l'armée congolaise. Peuple congolais, le Congo nous appartient tous. Nous avons le devoir d'accomplir notre mission de la trahir. Et je pense qu'il est temps d'accomplir notre mission. Si on ne fait rien, nos enfants vivront des mêmes circonstances qu'on est en train de vivre. C'est pourquoi ensemble on dit c'est assez. Ingeta. Merci Monsieur Sankara de nous avoir accordé cet entretien. Merci, le plaisir est partagé. Merci. Ndeko Benoît Mbote. Mbote ndeko nangai. Omoni tokomia walelo na place oyo ya ropwe. Ya basoda toyaki poto sali une semaine ya mobilisation to luka babilei na mai na baji na ba biscuit poto kende ko pesa basoda na biso na ligne de front to kei ko sangisana na bango na oyo ba milulu ezo le kakuna na na ligne de front to kei ko pesa bango to kei ko epole bango po baza bande ko na biso ba bonde la ekolo biso pe ba activiste na société civile to lobby trop eza trop po Rwanda vraiment to moni soki to sangani te to kobanda kote kisamboka na biso na maboko ya banguna ndio moni to komi awa to lingi to mata omoni babile to tiango na bamituka to mati lelo eza jeudi to kei ko pesa ba soda to kei ko pesa bango moral po vraiment to sengi to sangisana na bam misusu ba na ligne de front na bande ko ba libanda ya RDC oyo ba ba congolais to sengi na bango basala makasi ya ko sala maso basala oyo esengela ki ko bundela ikolo na biso ata oza na étranger oza diaspora sala maso osala contribution na yo na mboka na yo po ko na maboko ya banguna te po soki mikolo nayo esili kuna place oza soki oza kotanga Belgique oza kotanga États-Unis mais awande place okoya kosala oyo ba classe nayo okoy kosala ba misala awa na Congo soki osili sikuna nde to sengi na chef de l'État na biso asala maso yepe asali sabande ko na biso ba soda oyo bazana na ligne de front po bande ko na biso baole la bao zanga ba nourriture bao zanga neti ba mai mais to pesi merci po moto azala il fallait moto soki asali malamu boza la kopesa ye merci na ye to pesi merci po vraiment to moni ba munition ba outil ya guerre ba avion de guerre ba hélicoptère ba char ba voiture blindée en tout cas tolobi na chef de l'état na gouvernement na ye matondo mingi
tika ko sala makambo wana ya bie ko sala sa bande ko na biso ba soda na ligne de frotte aba kisana mbongo na bango ndenge ayena ba avio ba biloko misusu aba kisambongo apesa bango teni ya bie apesa bango botine ya bie siko apesa bango morale o esengela ki to sengi na ye na ba traitre wana oyo bazana ba ligne de frotte soki ba komanda wana ba okomande wana ba komanda ya kala asali sabiso ame mabango alongola bango na baline de fro bazonga poto aya na ba misusu oyo basika popo tomoni na batete wana atie ba general ya sika atie ba soda moko oyo bazana susi ya pays neto sengi na ye na baline de fro asala wana oyo asali kuna il fallait changer bango ba traitre wana babima poto moni vraiment o ba soda bazana lina bazana na ligne de front en tout cas to moni bana souci ya pays ba obundula ba obunda pona ekolo na bango ekende na maboko bango na te bana moral oyo vraiment moral na biso population vraiment to moni en tout cas mikolo wana to zalaki kolela oyo ya kala lelo te to lelite sasa bino boza banani olobi bolingi bokende on a froid pour assister les militaires na biso ba FRDC et bino boza banani boza ba politiciens boza ba chrétiens boza banani concrètement merci monsieur journaliste biso pona e yanoana biso toa ba politiciens te biso toa ba soki ba soldate mais biso toa ba to ba activiste oyo ba jeune activiste oui ba jeune activiste oh ba différents mouvements oui toa ba différents mouvements notamment Chezali MNC Filimbi Veranda Mutsanga biso nyoso tozala société civile nde makamoto osala ezo pa toa na souci ya mboka na biso toa na souci to moni ba soda na biso mikolo to sali mariage oyo ba senga ka mariage civilo et militaire yango ndo to lelo e komi e yanoana e si comme et comme les lots na guerre oyo ya lelo ndeto lobi wana toko croiser les bras te il fallait to sala maso to sali sabango bazala na courage neti mamadou alonga ki bitumba wana ya M23 oyo ya 2013 oyo ya 2013 alonga ki yango po ye asangisa na ki na biso ba activiste na société civile na population yango nde omoni azalaki na makasi ya kobunda po alonga bitumba wana yango nde to sengi lelo tolobi na bakonzi ya mboka tozala bomoko tozala disperse te tozala bomoko tobanda ko denonse oyo mokonzi alobaki tozala ko denonse oyo ko denonse na biso tobandi na banurutire oyo omoni totia yango na bamituka oyo tomata na ligne de front tokobanga te po toa ba activiste tokokufa mpona ekolo na biso Congo Live Télévision, nous sommes à Goma. Je vous rappelle où nous avons interrogé ces deux jeunes militants, activistes des droits humains à Goma, qui se mobilisent aux côtés de leur père pour aller assister en vivre et en non-vivre les forces armées de la RDC qui sont engagées sur la ligne de front. Ils vont se diriger ce matin, jeudi, à Kibumba. Donc voilà un peu en direct et en exclusivité. Vous suivrez cet événement sur Congo Live Télévision. Merci, Ndeko, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, en tout cas merci.